Ses espoirs de qualification partis en fumée, Castres, à condition de battre Northampton, pouvaient encore prétendre être reversés en challenge européen. Un objectif à la mesure d'une équipe en net progrès, mais rarement récompensée de ses efforts dans cette H-Cup. Un champion de France toujours privé de Rémi Thalès, mais toujours animé de bonnes intentions, comme à la 30e minute sur cette touche rapidement jouée par Lamora. Ça va jouer, ça va être lissé. C'est laissé surprise. C'est l'essai surprise du Castres Olympique, un essai marqué par Grosso. Un essai surprise, effectivement, qui nécessite le recours à la vidéo, car Rémi Lamora, en haut à droite de votre écran, récupère et utilise un ballon différent pour effectuer la touche. L'essai est donc logiquement refusé par Monsieur Roland. Son confrère Romain Poit a lui aussi du travail dans l'autre match de cette poule 1. Sur ce ballon porté, les Ospreys en blanc s'essuient les crampons sur le deuxième ligne du Leinster. Au ralenti, l'image ne laisse aucun doute. Pour ses stampings à répétition sur le visage de McCarthy, Ian Evans récolte un carton rouge. À 15 contre 14, le Leinster alors se sent pousser les ailes et accélère. Après un essai de pénalité, c'est Moore ici qui prend le trou. Jimmy Coppers a bien suivi et franchi la ligne, mais a-t-il aplati? Romain Poit, dans le doute, fait appel à la vidéo. Au ralenti, pas de doute, Coppers aplatit bien le ballon, mais sur la cheville d'un défenseur, on en reste donc à 10-3. Deux minutes plus tard, la puissance irlandaise enfin se montre efficace. Le pilier Canelli n'a besoin de personne pour inscrire le deuxième essai de son équipe. Le Leinster à la pause mène 17-3. Les quarts de finale se rapprochent donc pour les Irlandais, car en attendant le bonus offensif, ce sont les Castrais qui, au retour des vestiaires, dominent Northampton. Menés 3-0, les champions de France enchaînent les temps forts quand Marcel Garvey lui se déchaîne. L'échappe de Marcel Garvey. Il va y aller tout seul. Il va jouer son duel. Intérieur, il a glissé. Marcel Garvey. Manque de réussite, manque d'efficacité, le mal est connu à Castres, qui s'en remet comme souvent au pied de Rory Cocotte pour égaliser à 3 partout. Un match nul qui fait les affaires du Leinster, qui à Thomond Park continue son récital, même s'il est entaché parfois de nombreuses fausses notes. Edouane Redan ici est à deux doigts d'aplatir entre les poteaux, mais deux doigts, c'est ce qui lui manque pour contrôler le ballon et éviter un en avant. Simple contretemps pour le Leinster, qui s'offre le point de bonus offensif à 10 minutes de la fin. Plus rapide, plus percutant comme ici Madigan, le rouleau compresseur semble inarrêtable, tout comme Jordy Murphy qui, avec ce quatrième essai, assure la première place de la poule aux Irlandais. Cerise sur le gâteau, le Leinster ajoute un dernier essai dans les dernières secondes de la rencontre par Mike Brown. 36-3 score final, le Leinster accède au quart de finale et peut encore espérer un quatrième titre européen. Au Franklin's Garden, le dernier essai de George Pissy lui n'y changera rien. Northampton s'impose 13-3, mais dit adieu à la Coupe d'Europe. Les Saints se contenteront du challenge européen. Fin de l'aventure également pour Castres, le champion de France, malgré 4 défaites, a fait honneur à son statut et peut quitter la Coupe d'Europe la tête haute, à confirmer maintenant en championnat.